Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo spéciale Noël ou spéciale horreur. Donc, je sais pas si vous connaissez le principe. Donc, c'est la même depuis 3 ans. Puisque oui, ça fait déjà 3 ans que je fais ça. Donc, en gros, c'est parti pour la vidéo spéciale Noël. Ok, donc là, en fait, on se retrouve sur un jeu un peu inédit pour moi. Parce que, je sais pas comment trop on y joue. Voilà. Donc, c'est sur Taken. Donc, Taken comme le fameux film. Mais après, je connais vraiment pas le but. Je sais pas ce que c'est. C'est présenté comme un jeu d'horreur. On va voir ça. Ah merde, d'accord, ok. Donc en gros, c'est un labyrinthe. Ah ouais. Ah, tu parles d'un jeu d'horreur. Et en gros, le but, c'est de sortir. Mais autant y rester. Franchement. Pourquoi se faire chier? Alors. En plus, ça va être autant qu'il est dur de commenter ça. Parce que comment tu veux commenter? Ah! Ah oui, effectivement, oui, c'est un survival horreur. Putain. Bon, joyeux Noël à tous, hein. Putain, elle m'a fait peur, la salope, hein. Bon, je crois que ça c'est le premier cri de Fiotte, tu vois, que tu vas entendre. Putain, au début, moi, je pensais, genre, qu'il s'est trompé, genre, dans le jeu, quoi. Genre, qu'il nous avait foutu, genre, un petit jeu de merde, genre, en mode... bon, y a pas du tout de screamer, genre, c'est un labyrinthe, en gros. En fait, non. Allez, c'est bon, là on a trouvé la sortie, les gars. Ou pas. On va la trouver. Là. Je vous assure, c'est par là. Si c'est pas par là, je paye un McDo à tout le monde. J'ai rien dit. Ok, donc là on retrouve notre flamme. Franchement, on va trouver la sortie. Ok. Putain, maintenant. Ah, non. Putain, je flippe trop maintenant. Je vais vous dire, putain, maintenant je flippe trop et tout, mais putain. Arrête, elle a le don de me faire stresser, cette gamine. Oh, là, il y a des spots. Ça vous dit rien? C'est comme dans Harry Potter et la coupe de feu. Forcément un truc. Oh oui. Ah, mais non, je suis juste con en fait. C'est juste qu'en fait, on est revenu au point de départ. D'accord, en fait, non, fallait pas la poser juste ici, ça servait strictement à rien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas croisé, c'est cool. Ah, non, putain. Eh, on dirait genre qu'elle est dans mes pensées, cette pute. Hop. Putain, mais c'est... Wouah. C'est dément, ce jeu, quoi. Voilà, donc, maintenant, on se retrouve genre sous la pluie. Le jeu n'est pas très très fluide, mais bon. Là, on entend même nos petits battements de cœur et tout. Ouh, c'était quoi ça? C'était quoi? Faut foutre le replay, là. Je fais... On aurait dit, genre... on aurait dit, je sais pas. Un orchestre. À moi tout seul. Voilà. En fait, genre, le seul truc qui m'a fait peur, en fait, il y avait même pas... Il y avait rien. Il y avait pas de petite fille. Il y avait rien. Putain, c'est l'orage qui me fait peur. L'orage me fait peur, quoi. Non, on va aller là. Ensuite, on va aller là. Ensuite, on va aller là. Ensuite, on va aller là. Ah oui, là, on va tout droit, là. On va tout droit. Là, on pose une torche. On fait ça. On fait ça. Et on va... Et en fait, on va dans un cul-de-sac. Voilà. Vous voulez des réponses à vos questions? Non? Oh putain, allez, là je commence à avoir de plus en plus peur. C'est pourquoi? Voilà, c'était mon cri super viril. Tu peux en être sûr, toi-même tu le sais. Bon, on va se retrouver sur une nouvelle map là parce que. Parce que elle m'énerve celle-là. Salut les gars! On se retrouve pour une petite vidéo tuto comment ne pas avoir peur dans un jeu d'horreur. Voilà. Putain, en plus la musique genre bien classique, ça donne un truc bien glauque, tu vois. C'est affreux. Mais là en fait, à part tourner en rond, là c'est tout ce qu'on fait. Putain, j'ai trop peur genre qu'elle fasse genre l'effet Slender, tu vois, genre qu'elle se foute bien derrière toi.
Tu sais, quand tu veux te retourner et tout, mais ce serait affreux. Affreux, c'est le... Oh putain, les bruits me font peur, quoi. C'est quoi? Oh putain, elle est là, merde. On va y arriver, les gars, on va y arriver. Ou même les femmes. On va y arriver. Putain, cul de sac encore, fait chier. Franchement, ce jeu, il craint, là, avec les cul de sac. On va aller là. Là. Ensuite, on va aller là. Je sais pas trop ce que je fais, hein. Je fais un peu au hasard. D'accord, et là, d'accord. Ah oh putain! Je joue plus à ce jeu! Voilà, je sais même pas combien de temps ça fait qu'on a commencé à jouer, mais elle me fait trop peur, cette meuf! Voilà! Du coup, genre, c'était. Voilà, je vais essayer de vous faire une petite compilation montage et tout. Du coup, bah, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, franchement, pour ma part, ce jeu m'a bien fait flipper. Du coup, bah, ce que je vais vous dire, bah, c'est que je vais vous souhaiter de très très bonnes fêtes entre bah, Noël, le nouvel an et tout, quoi. J'espère que vous allez avoir plein de cadeaux. Bah, si vous allez avoir des cadeaux, si vous allez pas avoir de cadeaux, pardon, bonne fête quand même, parce que bah, entre le nouvel an et tout, bah, tant mieux. Voilà, c'est le moment où on se bourre le plus la panse de l'année. Du coup, bah, voilà, c'est pour ça que je vous souhaite un très très bon repas. Ne tombez pas malade non plus, mais voilà. Du coup, moi je vais vous dire à la prochaine fois, ciao tout le monde, et puis je vous souhaite de très très bonnes fêtes, ciao.